Hello mes colorés, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera Confession entre femmes. On va parler de 5 erreurs à ne surtout pas faire en début de relation. Cette vidéo m'a été inspirée par une série que j'ai découverte il n'y a même pas longtemps sur Netflix. Le genre de série que je regarde pas forcément, c'est une série égyptienne. J'ai été touchée par le côté réaliste et très humain de la série qui change vraiment des séries à gros budget, les séries holo qu'on regarde, et du coup je me suis sentie vraiment très proche de cette série et ça m'a fait penser à pas mal de choses. J'ai cogité vraiment sur pas mal d'erreurs qu'on fait lorsqu'on commence une relation. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je tiens à rappeler que je ne me tiens pas là comme étant une conseillère, non. Je suis juste la copine qui te dit des choses que d'autres personnes ne te diront pas, ou tout simplement des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je rentre dans une relation amoureuse par exemple. Mon mari a tendance à me dire, mais Kiki, tu as quelque chose contre les hommes? Non, je n'ai rien contre les hommes, c'est juste que je pense que c'est important de voir aussi le réalisme lorsqu'on rentre dans une relation, parce qu'en nous vend assez de doux, de beau, ce qui n'est pas mauvais, mais très peu de réalité. Raison pour laquelle j'ai décidé de mettre un peu de réalité dans nos histoires d'amour. Sinon, il n'y a rien de mieux que d'être amoureuse, de se sentir aimée. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien contre les hommes. Donc, si jamais tu fais face à un challenge et que tu as besoin d'avis de d'autres personnes, mais que tu ne te sens pas de le dire à tes proches, n'hésite pas à m'écrire. Je vais lire ton histoire avec les colorés pour qu'on puisse te donner notre avis. Et puis, tu pourras prendre ta décision. Tu m'envoies ton histoire sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. N'oublie pas de mettre des likes, c'est important pour que YouTube puisse se dire, elle fait du contenu de qualité. L'algorithme proposera mes vidéos à d'autres personnes. J'ai l'impression que j'ai un problème de focus, donc si jamais mon visage est un peu flouté, je suis vraiment désolée. La première erreur dont on va parler, c'est le fait de parler de tous ces malheurs, de toutes ces déceptions dès le début d'une relation. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut garder un jardin secret, qu'il faut cacher des choses à la personne avec qui on est, mais lorsqu'on commence une relation, donc on apprend à connaître la personne, cela ne veut pas dire que la personne sera celle avec qui on va terminer notre vie, que la personne sera notre mari. Raison pour laquelle c'est important de se préserver. Il ne faut pas juste tout déverser là et commencer à raconter par exemple toutes les infidélités que vous avez subies, parce que malheureusement il va se produire l'effet inverse. En racontant toute son histoire, tous ses malheurs, vous allez penser qu'en retour la personne aura un regard protecteur, un comportement, ou du moins une attitude protectrice envers vous, et que la personne se rendra compte du fait que vous avez déjà été vraiment blessée. Elle devrait vraiment vous prendre avec attention, elle devrait être plus consciente de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle vous fait. Malheureusement, ce qui se produit la plupart des temps, c'est que la personne fait exactement ce que les personnes avant elle ont fait. Vous avez été trompé plusieurs fois, que vous dites, moi j'ai été qu'avec des hommes qui sont infidèles. Finalement, la personne finit par vous faire la même chose. Et on se pose la question, on se dit, mais je tombe tout le temps sur des hommes bizarres, des hommes CON. Ce qui se passe, c'est que lorsque dès le début, vous racontez tout ce que vous avez subi dans votre vie à cette personne, comme vous ne savez pas à qui vous avez affaire, la personne peut percevoir ça comme étant votre manuel d'utilisation, comme étant la brochure qu'il doit lire avant d'être avec vous. Je ne sais pas si c'est inconsciemment ou consciemment, la personne se comporte exactement comme ça. Et dès que tu diras quelque chose, la personne se dira, dans tous les cas, toi, c'est ce que l'autre a fait. Donc, la personne a l'impression que c'est comme ça qu'il faut qu'elle se comporte avec vous. Et n'oubliez pas également qu'on t'achètera au prix auquel tu te vends. C'est important de donner une impression de dignité, une impression de principe, une impression d'honneur, quitte à passer pour une fille compliquée, coincée, vieux jeu, que de passer pour une fille qui est en mal d'amour. La deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué quand je suis arrivée en France, surtout dans mon entourage, dans la ville dans laquelle je vivais. Du coup, ça peut ne pas être la réalité de tout le monde, mais franchement j'ai remarqué que il y avait ces femmes là courageuses qui se levaient dès le matin, qui allaient travailler, et qui revenaient, il y avait ce petit tonton là, ce petit mec à la maison qui était nourri, blanchi, logé, tout, et en plus elles appelaient le mec papa, elles prenaient soin du mec. Mais dès que la tata n'est pas là, le mec il regarde à gauche, il regarde à droite, tu as mal au cœur. Je lui ai dit, mais purée, la dame elle se sacrifie pour le mec, et lui qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? La tromper, parce que tout simplement le matériel et l'argent n'achètent pas l'amour d'un homme. Franchement, j'ai l'impression que les hommes ont besoin de se sentir responsables, ils ont besoin de se sentir que
la femme que j'ai là, c'est pas n'importe qui peut la voir. Et que lorsqu'on leur donne tout sur un plateau, malheureusement, ça, ils ne l'apprécient pas. Et c'est pas seulement l'homme avec petit H, c'est l'homme avec grand H. Parce qu'en général, lorsque tout est fait, lorsque tout a été facilité et qu'on offre ça à une personne, elle ne va pas l'apprécier par rapport à une personne qui va batailler pour avoir sa chose, qui va creuser pour trouver son diamant, trouver son or. Et au-delà même de l'argent et le matériel, c'est de ne pas avoir une attitude de femme mariée lorsque la personne ne t'a pas mariée. C'est-à-dire que tu as un mois de relation, deux mois de relation, que déjà, il a tous les avantages du mariage. Pourquoi est-ce qu'il voudrait aller au-delà? Pourquoi est-ce qu'il voudra se prendre la tête à faire autre chose? Il s'est à peine mis avec vous que vous avez déjà planifié tous ces menus de la semaine. Vous avez déjà préparé tous ces tupperwares qui sont au frigo. C'est important que les choses se fassent en grandissant. Alors, la troisième erreur à ne surtout pas faire, c'est de rester dans une relation malsaine, pas peur d'être seul ou pas peur de devoir tout recommencer. Parce qu'on dit souvent, vaut mieux le démon que tu connais que l'ange que tu ne connais pas. Donc, moi, je vais rester dans cette relation parce que je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Au moins lui, je sais qu'il est infidèle. Au moins lui, je sais qu'il est violent. Au moins lui, je sais qu'il est radin. Au moins lui, je sais qu'il est menteur. Mais l'autre, je ne sais pas ce qui m'attend. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça veut dire qu'on ne croit pas assez en nous. On ne croit pas à un meilleur avenir. On ne croit pas à un futur glorieux, un futur heureux. Et on se cantonne à ce présent pathétique. On se cantonne à ce présent dur, triste, en se disant je ne mérite pas mieux en fait. Je préfère celui-là que d'aller chercher ailleurs. Et on oublie qu'on dit aussi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Les signaux sont au rouge. Et tu te maintiens, tu te butes à te dire, c'est pas grave. Ce feu rouge-là, je le préfère qu'un feu vert. Et franchement, je salue le courage des jeunes filles qui décident de sortir d'une relation. Maintenant, la quatrième erreur à ne surtout pas faire, c'est penser que vous allez maintenir cet homme-là, vous allez forcer cet homme, vous allez amener cet homme à vous aimer à travers les relations sexuelles ou si vous tombez enceinte. Ça s'étend partout, même dans les mariages, on se dit, si je tombe enceinte, je vais sauver mon mariage. Si je tombe enceinte, je vais sauver mon couple. Si je tombe enceinte, je vais sauver ceci. Sauf que les joies de la maternité ne durent qu'un instant. Et la réalité vous rattrape. Certes, quand tu vas accoucher, le mec il sera le plus heureux au monde, il va pleurer. Deux semaines après, elle vous prend la tête pour un biberon, elle vous prend la tête pour, je sais pas moi, pour une connerie. Et c'est pareil pour les relations sexuelles. Tu te mets dans une relation dès le début et tu sais que tu as des principes et que tu as des pratiques que tu ne veux pas pratiquer. Il y a des pratiques qui sont vraiment, voilà, pour toi c'est un non, mais tu rencontres ce mec là qui est tellement mignon, qui est tellement beau, la situation calée, style calée, en fait tout est bien, mais sur le plan sexuel il te demande des choses, c'est pas tip top. Et tu te dis, mais il est trop beau, je peux pas dire non, c'est pas grave. Une relation, il y a tellement d'aspects que on ne peut pas réduire le succès d'une relation, pas des relations sexuelles. Pourquoi ça devrait être toi à faire le sacrifice pour être avec lui? Enfin, je dis ça, mais bon, ce n'est que mon humble avis. La dernière erreur à ne surtout pas faire, c'est sacrifier ses rêves, sacrifier ses ambitions pour maintenir une relation naissante, pour maintenir une relation tout court. Je pense vraiment au film que j'ai regardé, la série. C'est l'histoire d'une femme qui était en école de médecine avec son mari et que du coup, lui, il est sorti psychiatre ou psychologue et elle était pharmacienne. Et à la fin de leurs études, il lui a dit clairement qu'il ne veut pas qu'elle travaille et qu'il fallait qu'elle reste à la maison pour les enfants. Sauf qu'à 40 ans, il a fait une crise et du coup, il lui a dit qu'il divorçait. Voilà comment est-ce qu'elle se rend compte que son monde a changé. Elle se retrouve maintenant à devoir se demander c'était quoi ses rêves, c'était quoi ses ambitions, à se réinventer. Donc c'est vraiment important de ne vraiment pas sacrifier ses rêves. Si tu as besoin de voyager pour tes études, oui, votre amour sera testé. Mais voilà, qu'est-ce qui prouve que ça va vous séparer? Pourquoi toi tu devrais sacrifier tes études pour ta relation? C'est important de se construire. Alors, malheureusement, mon fils s'est réveillé, donc je vais devoir abréger la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez des likes. Suivez-moi sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire là-bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.